Depuis le tout premier câlin pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière, les monstres cachés dans les placards attendent pour surgir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont aucune méchanceté. Ils ne font que leur travail. Il n'y a personne ici. Il devrait y avoir un enfant. Alors s'il n'y a pas d'enfant, alors là, comment on lui fait peur? Maintenant, je panique pas. Inutile de s'énerver. On n'a qu'à vérifier la feuille de route. On est dans la panade totale. Bon, alors, 21h. Chambre d'enfant. Chambre d'enfant. Au cœur du brocoli. Brocoli? Donne-moi ça. C'est mon goli, Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli? Ben oui, un petit peu. D'accord. Tu te rappelles en 5e année, quand tu passais ton temps à envoyer des billets doux à Suzy Bouilly? Je l'aimais. Tout le monde étudiait la géographie. On n'est pas en Mongolie. Je le crois pas, ce que j'entends. Blâmer le petit sans défense. Mais c'est d'un original. Ah oui, ah oui, il a dû tout lire de travers, hein, c'est ça, avec son seul œil. Oh, du tout, Mike, t'as tort de le prendre pour toi. Calme-toi, t'es beaucoup trop émotif. Fais pas la tête, mon petit nonneuil. Non, t'aimes pas. Non, je t'aime plus du tout. Non, je suis très en colère et je tiens à le rester. Bon, d'accord. J'ai mis de quelle planète? Regarde, devine, ouais. Quelle planète bon, d'accord, moi je vais faire le garde-manger avant que les biscuits noircissent. Eh ben où tu vas? Eh ben tu donnes pas ta langue au chat? Gros plein de poils. Gentil le chien, gentil, oh là, le gros chien. Chien, oh là, Sully, il y a un gros chien. Ouvre la porte,